Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est MyApple et on se retrouve aujourd'hui sur le Battlefield 4. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes pas en multijoueur ni en solo exactement. Enfin, on est dans le centre d'essai en fait. On peut tester tous les véhicules et toutes les armes qu'on a débloquées sur le jeu. Alors moi j'ai pas joué énormément de temps encore sur le multijoueur, comme vous pouvez le voir, je suis à l'Ascarache. Tiens, j'ai débloqué le M9. Ah, et le M412 Rex, hein, BF3. Le retour toujours du M412 Rex. Donc voilà, en gros il y a la possibilité de tester tous les véhicules sur ce mode d'essai. Je vais vous faire un petit tour rapide, on va pas tester tous les véhicules non plus, mais bon, on va se lancer dans une petite aventure en solo où on va découvrir ensemble le solo de BF4 qu'on va faire en mode difficile. Avant d'entrer direct dans la campagne, je voulais quand même montrer un peu les véhicules, la possibilité, les graphismes, etc. De ce Battlefield 4 qui, à mon sens, est le jeu de l'année, qui est vraiment merveilleux. Et qui n'aurait pas dû sortir pendant mon année de terminale. Je suis bien triste parce que je vais avoir beaucoup de boulot cette année et que voilà. Bref, et que je vais pas pouvoir en profiter pleinement, mais bon, j'en profiterai l'année prochaine. Alors là en vidéo, je suis en normal. Je vais pas mettre en plus non plus pour avoir une qualité correcte de FPS. Donc voilà, donc en gros vous voyez ici on a différents points et on a la possibilité de se déployer où on veut. Moi je vais commencer par le point de base, comme ça on peut tester les armes etc. Bon, c'est un centre de tir un peu comme le mode d'essai qu'on peut avoir dans les codes avec le petit stand au début de tir, vous savez. Juste, voilà, baisser le son. Alors, on a là l'Ascar, hein. En secondaire j'ai mis le M9. Là-haut, bon. Je vais pas faire toutes les cibles, mais c'est surtout pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble un peu tous les véhicules du jeu. Donc le véhicule terrestre, hein, il y a le LAV, le M-Track, il y a toujours la Jeep, le Quad. Là c'est un camion anti-aérien. Là on a ça par contre, s'il était pas, ouais c'est le M-Rap, voilà. Le M-Rap, il était dans les extensions, je crois. Non, j'ai une connerie peut-être. Là on a tout ce qui est M1 Abrams, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, les LAV, voilà, voilà, toujours le M1 Abrams, et ça c'est un LAV différent, je crois c'est LAV, ouais voilà. On a la possibilité, vous voyez en haut il y a les petites notifications par rapport à nos amis, nos personnes qu'on a dans nos listes d'amis quand ils joignent des serveurs multijoueurs etc. C'est vraiment pour favoriser le gameplay en team, le team play pardon. Et je trouve que c'est quand même génial ce Battlefield 4 à ce niveau là, surtout pour le team play, parce que maintenant on a des escouades de 5 personnes. On a le mode commandant qui favorise encore plus le team play, un Battlefield 4 qui s'ouvre encore plus à l'e-sport. Et ça c'est vraiment génial. Alors là je suis sur un petit scooter des mers qui est très dur à manier, je dois l'avouer. Quand il y a des vagues, le scooter il suffit qu'on tourne un poil pour qu'il fasse un 360, là ça tourne vraiment super facilement. Regardez, là je suis sous l'eau carrément. Ah oui, on a également la possibilité de plonger. On a là sur la gauche des bateaux d'assaut où on peut s'enfuir en sortant par un jet ski qui est à bord du bateau. Ça je trouve c'est vraiment trop kiffant. J'ai pu y jouer pas mal, enfin j'ai pu le tester dans la map de Shanghai. Et c'est vrai que c'est un truc assez sympa d'être sur son petit bateau, de faire ses petits kills, de protéger les points. Et puis quand on est dans la merde, se barrer sur son petit jet ski, c'est vraiment vraiment fort sympa. Bon, toujours l'hélicoptère de combat, hein, toujours présent. Alors après il y a les missiles infrarouges, enfin voilà. Bref, on va pas refaire une découverte non plus de toutes les armes et de tout ce qui est possible dans ce Battlefield 4. Hein. Ça reste quand même beaucoup de choses de Battlefield 3 avec quand même beaucoup d'ajouts et d'améliorations. Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les véhicules aériens, terrestres, enfin voilà, c'est vraiment avant on était que dans l'aérien et le terrestre. Maintenant il y a la bataille maritime, hein, c'est une des grandes nouveautés. Là l'Evolution également dans les maps multijoueurs, ça c'est un truc assez nouveau et qui, je dois l'avouer, est vraiment vraiment terrifiant. Quand on est sur la map Flood Zone où il y a la map qui s'inonde petit à petit, ou quand on est sur la map avec le paquebot là, c'est vraiment exceptionnel.
Donc voilà. En gros, il y a toute cette partie multi que vous retrouverez un peu sur ma chaîne dans des With You for the Battle qu'on va reprendre avec vous. Donc si vous avez des propositions ou si vous avez des idées de défis, je vous invite dans cette vidéo pour With You for the Battle à me les mettre. Comme ça, je pourrais les préparer et puis voir s'il y a des personnes intéressées pour les faire. Oula, je me suis mangé. Ouh là 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 là. Aïe. Je savais pas que j'étais aussi proche du sol. Ouais, donc voilà, si vous avez des idées pour With You for the Battle. Ouh. Attendez, on va mettre un joli petit tir dans la tête. Ah non, raté. Non. Boum. Voilà. Moi j'ai pas perdu la main par rapport à BF3, ça va. C'est plutôt cool. Donc moi je vais faire une coupure et puis on se retrouve tout de suite sur le mode campagne de Battlefield 4 qu'on va découvrir. Voir s'il est aussi sympa que celui de Battlefield 3, bien que celui de Battlefield 3 était pour moi fort décevant. J'espère qu'ils se sont rattrapés. Je vais pas vous cacher que j'ai déjà commencé un peu la mission que j'avais déjà faite à Paris Games Week pour voir un peu ce que ça donnait. Et c'est vrai que c'est assez beau. Après faut voir sur la durée ce que ça donne, parce que bon, le début j'ai personnellement bien aimé. Enfin on va faire ça ensemble, vous allez voir. Ça va être sympa. Une petite coupure et à tout de suite sur le solo en mode difficile et tous ensemble. Yeah. Voilà, alors j'ai eu une coupure, pourquoi? Parce que il y a dans la cinématique ça plante quand j'enregistre, je sais pas. Il y a toujours un crash et j'avais coupé juste avant parce que quand j'avais fait la mission que j'avais déjà enregistré une fois, un premier essai, enfin j'avais voulu enregistrer quoi la campagne et la faire, faire la vidéo et ça avait crashé pendant la cinématique qui est juste là quand il nous chope derrière la porte. C'est Pac, ouais il s'appelle Pac je crois, et nous c'est Raker. Alors là on a un allié qui est, oh mince, il faut couvrir Irish qui est dans le bâtiment. Je vais prendre la CS. Ouais vas-y, elle est pas mal, j'aime bien le viseur parce qu'il y a un hybride en fait, vous voyez. Donc là on a un Cobra et on a la possibilité de mettre le viseur. Ah bah non, là on peut pas. Voilà, donc là c'est Irish. Et il y a des chiens qui l'attaquent, hein. Voilà. C'est peut-être un petit troll à Call of Duty Ghost, tiens, dès le début. Ce serait... pourquoi pas, j'avais pas pensé. Voilà, là on a la possibilité de mettre le viseur hybride. Si, voilà. Bonjour. Voilà, tu sors. Il y en a d'autres qui arrivent. Non, voilà. Ok. C'est bon, on va essayer de mourir le moins de fois. Je mettrai pas un compteur, mais ouais, si je mettrai un truc pour compter le nombre de morts qu'on aura fait dans ce solo de Battlefield 4. 2 de plus à gauche. En effet, exactement. Oh, ils ont pas mal de points de vie, hein, on remarque. Faut me mettre vraiment des balles dans la tête pour qu'ils prennent cher vite. Bon, ouais. Voilà, donc je disais que ça se passe en Azerbaïdjan. Regardez d'ailleurs, c'est une des images qu'on a pu voir dans le trailer. Bon, je suis pas en ultra, hein. J'ai pas le PC nécessaire pour. Mais voilà. Je vais juste reprendre des munitions. Je sais pas si ça en reprend tout seul. Pardon. Voilà, ok, c'est parti. Et on a récupéré quelque chose et on doit rejoindre le point d'extraction. Le point d'extraction sans souci. Bonjour. Vous voyez. Voilà. Mais, alors, le monsieur a la bonne idée de se mettre devant moi. Ce qui fait que je ne peux pas les tuer. Un truc vraiment cool, c'est. Attendez. Regardez. On va leur donner des ordres à ces messieurs. Ils sont où? Voilà. On va recharger. Là voilà, je les ai spotés. Attendez, j'ai enlevé mon casque parce que j'ai le son un peu fort et du coup je m'entends pas trop parler. Voilà. Bon, je trouve que c'est un peu cheaté parce que ça nous permet de suivre les ennemis. Et sans qu'on les voit en fait, vous voyez, il est derrière le mur. Bon, par contre, ils sont un peu nerveux de la gâchette parce que là ils s'énervent sur le mec alors qu'il est derrière le mur. Je crois qu'ils ont pas trop compris le principe encore du mur et des balles qui ne passent pas. Ah, il me reste une balle. Ouf, j'avais une balle chargée dans le. Voilà. Toi, je t'avais vu. Ouh! Voilà, c'est bon. Hein, le moins de morts possible, on va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, ça va, c'est simple. C'est simple, hein, on sait pas trop prendre en embuscade, c'est bon. Je vais voir juste leurs armes. Qu'est-ce que c'est? Ah, une AK-12. C'est la première arme qu'on a dans le multi d'ailleurs, qui est vraiment correcte. Hein. Alors, donc là, on est bloqué.
Alors c'est aussi là un moment des images de, c'est les images qu'on a pu voir dans le trailer quand on sort dans une forêt, vous allez Bon, voir. bien. Et après il y a un peu l'espace industriel comme ça à l'abandon qui est vraiment classe Ah voilà notre ami, avec les oiseaux comme le chef ça explosif. qui se baladent. Voilà, on a pété le mur et voilà, c'est ça qu'on avait vu je crois dans les premières images du trailer. Et ça, c'est la mission à laquelle, à partir de là, c'est là où j'ai pu jouer à la PGW sur PS4, sur une PS4 qui était bouillante. Hein, et alors voilà, donc là, oh mince, attendez. Donc là, c'est une jumelle. C'était pour zoomer. Donc là, voilà. Ok, il faut. Ah oui, effectivement. Voilà, il y a quelques ennemis. Les deux cheminées, on est en face, tu vois ça, Riker? Là, on a des munitions là. Là-bas. Ok. Oui, et puis en fait, à la base, il fallait chercher le point d'extraction. Voilà. Les deux cheminées. Je crois que c'est là. Ouais, c'est ça. C'est notre point d'extraction. Puisque, bah, on doit rentrer à la base en vie quand même. Oh. Je me prendrais bien. Oh, bah mince. Oh, j'ai raté la caisse de munitions. Bon, bah, je prendrai la prochaine, mais. Bon, on va avancer tranquillement. Enfin, rapidement plutôt. Voilà, ça c'est des possibilités, par exemple de se pencher uniquement sans être trop à découvert. Bon, si tu pouvais prendre tes balles, merci. Ah oui, oh, j'ai failli sortir et faire un rush au secondaire, sauf qu'on n'a pas de secondaire dans ce début de mission. Et ça c'est un truc qui me perturbe énormément parce que sans secondaire, bah c'est la mort. Oh, le chichi, j'arrive pas à les viser. C'est impressionnant. J'ai envie de sortir mon M320. Lui mettre une grosse patate dans sa tête. Ouh, il va se prendre une patate, lui. Ah, alors là, on a l'hélico qui va se charger de notre extraction, normalement. Oh là! Ouh! Un véhicule qui est arrivé. Alors, attendez. On va... Oh, il y a du monde, il y a du monde. Voilà. C'est bon, j'ai des missions encore. Attendez, je vais détruire le truc parce qu'il y a une tourelle dessus et je crois que des fois ils aiment bien se mettre dedans. Bah, tu t'es rien pris toi. Banzai, attendez, on va encore en mettre une. Parce que. Oh, bah pourquoi il y a quelqu'un dans la Jeep alors? Voilà, c'est bon. Moi, j'ai tellement pas l'habitude d'utiliser le M320 comme vous pouvez le voir, d'anticiper, etc. Que. Oh, on a débloqué le. Alors, SV92 par rapport au MK11. Attendez. Ouais, ils ont les mêmes. Sauf que normalement, c'est. Ouais, il a moins de balles. Et c'est mis auto. Mission. Ok. Bon. Et on va prendre le SV12, je l'ai pas encore testé. Oh, on a une vieille lunette à cog. Bon, allez, c'est pas grave. Là c'est l'hélico allié et on va devoir monter dans le véhicule. Alors là par contre les gens se sont un peu téléportés dans notre véhicule, c'est un peu abusé quand même. Mais bon, donc il faut qu'on aille se diriger à engager, c'est à dire quoi? Ah oui c'est vrai, c'est pour leur donner des ordres. Ah là 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 là, là devant nous, devant nous. Ah! Oh je l'ai écrasé, je l'ai écrasé, je l'ai écrasé, pop 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 pop. Là là, devant vous, engagez. Ouais, élimination. Oh! Je t'ai pas eu! Je t'aurai, je t'aurai, je t'aurai. Là, là, oh! Y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde. Engage, run! Attendez. Oh! On est en train de faire n'importe quoi là. Bah, j'ai mis aucune balle. Ah, j'ai horreur de leur grenade. Ouf! Allez. On va recharger, on va se mettre à couvert. Alors là, il y a tout le monde qui est sur la gauche pour nous arroser. Bien sûr, je ne te l'ai pas mise. Oh, par contre, celle-là, elle est bien rentrée. Ils sont où? On a la carte, heureusement. Voilà, moins 1. Moins 2. Moins 3. Là-bas, ils sont. Moins 4. Non, ça, c'est pas une tête. J'ai cru que c'était un casque. Ok, bon c'est pas grave, c'est bon, on a fait le tri. Oh là-bas. Papa.
il fait mal ce petit sniper. J'avais joué avec le MK11 déjà bah, dans la bêta. Oh par contre. Bon, faudrait peut-être que je me mette à couvert un peu de temps en temps quand même. Voilà, moins 1. Moins 2. Il y en a encore. Par là. Non, c'est bon. D'accord. Alors je crois qu'il y a un petit truc qui va m'énerver, c'est les barres en métal devant lui qui m'empêchent de le toucher. Allez, on va aller se rapprocher. Donc faut quand même qu'on bouge un peu ou qu'on aille vers le point d'extraction. Ah oui, en effet. Ah. Ah non, il est derrière moi. Oh, j'avais pas compris, ils sont sortis de nulle part. Oh là là. Bon, déjà une mort. C'est génial. C'est génial. Attendez, mais... Oh, parce qu'ils étaient pas sur la carte et du coup, ils nous... En plus, on entendait... Oh non, on reprend là. Oh non, ouais. Ouais, camion. Prends-toi ça. Oh, oh, oh le... Oh le spawn kill. Les 4 éliminations. 4 éliminations, c'est bon. Bon bah on a réglé le souci, j'ai touché les 4 dès qu'ils sont sortis de leur truc. Bon par contre non, ça m'a vraiment saoulé parce qu'on les voyait pas, les autres, et oh là là, ça me saoule. Bon, c'est parti, on va se grouiller. On va refaire la même chose sauf qu'on va, on va essayer de mettre notre véhicule un peu mieux quand même. Et pas partir n'importe comment dès le départ. Ok, c'est parti, on va partir sur la gauche avec notre véhicule. On a déjà une mort, hein. C'est pas top quand même de commencer, voilà, 2 kills dont un écrasé. On en a encore là-haut. Par là peut-être. Un. Voilà. Ouais, par contre là on est vraiment mal placé. Attendez. Je vais bouger mon véhicule. Allez, arrose-les. Voilà, là, là, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, voilà. Allez, arrose-les. De toute façon, je suis sûr que c'est scripté, on peut pas foncer et rusher au tuyau. Donc on va sortir maintenant et éliminer un peu tout le monde parce que... Alors, ils sont où? Là, à gauche. Oh, on voit rien. Oh, bah il l'a eu, j'allais l'avoir. Tu me l'as volé. Oh, joli. Joli petit truc. Allez. Oh. Allez, voilà. C'est là-bas, c'est là-bas. Et ça suit, ça suit. Non! Pourquoi ça suit pas? Ah oui, d'accord, toi t'es là. Toi là-bas, t'as pas bougé. Bon, allez, 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 on va pas s'emmerder non plus avec des petits. Qui... j'ai envie de courir et de foncer. Leur mettre une balle entre les deux yeux. Ah bah oui. Il y a la 7ème compagnie qui nous arrose. Ah! Punaise! On va se mettre à couvert quand même. On va prendre de la vie un peu. Bon, ils sont où? Ah, bon bah quand je suis caché, il n'y a plus personne qui vient, hein, bien sûr. Voilà, toi t'étais là. Voilà. Bon, tu meurs s'il te plaît. Merci. 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 Si la balle pouvait passer à travers le camion, ce serait génial. On va aller se cacher derrière le camion. Et j'espère qu'il n'y en a pas qui vont sortir de la gauche là du fin fond de mon 1. Hein, parce que... C'est pas possible. Oh, j'arrivais pas à le toucher lui. Il voulait pas. Et voilà, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y en a qui viennent de je ne sais où encore. Qui sortent de la gauche. Toujours les mêmes, hein. Faire chier le monde. Bon, ils sont où là? Ah non, les mecs! Ah, les mecs, je suis là! Bon, je suis quand même un gros bouffon, hein, pour foncer sur le. Pour foncer comme ça à découvert sur le. Sur le. Sur le terrain avec mon sniper. Je suis un gros bouffon, on est d'accord. Hein. Voilà. Quel putain de tir! Alternative. C'est quoi alterner hausse?
Ah ouais, c'est pour anticiper les tirs. Ça, c'est vachement bien. Oh, what? Oh, je l'avais pas vu. Oh, il campait ici. Qu'est-ce qu'il avait? Une AK-12. Ok, c'est pas grave. Waouh, waouh, waouh. Ok, c'est parti, allez. On enchaîne, on va vers le point d'extraction. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un M320, c'est cool ça. Est-ce qu'il est chargé? Oui. Oh, oula. Ça fait boum. Oh! Ça fait bim bam boum. Ils sont où là? C'est quoi qui tire des roquettes? Oh! D'accord, donc il doit se retirer. Toi, je t'ai vu, hein. Il y a un mec qui est passé. Il y a un mec qui est passé. Oh! Je sais pas où il est. Mais il est passé. Oh! L'eau, ça pète. Ah oui, un camion, en effet. Oui, celle-là, elle a dû faire mal. Celle-là aussi. Je crois qu'en fait... Oh, mais il est là. Oh, mais toi aussi. Oh, mais vous êtes très bien cachés, les mecs. Sérieux, c'est quoi vos cachettes à la con, là? Je dirais un cache-cache de CP. Bon, tu vas recharger. Oh, aidez, monsieur. 3 sélections gadget. Oh, gadget. Go, go, gadgetto. M320. Bah. Mais bien sûr. Oh. Oh. Les 3 lignées. Bon. Prends ta balle, les 3 lignées, voilà. Et puis, oh, ils sont mignons. Ils me couvrent et tout. Allez, allez. Sors ta tête. Tu vas sortir. De merde. Voilà. Voilà. Oh. En plus, ça doit faire. Voilà. Ça doit faire quand même mal une balle de snipe, hein. Bon. Après, on va changer un peu de gameplay. On ira avec une arme automatique. Je pense que ce sera un peu plus sympa. Bien que j'ai pas encore trop eu l'occasion de tester le sniper en multi. C'est pour ça que je m'en sers un peu maintenant. Pour voir un peu ce que ça vaut. Ouais, comme je vous l'ai dit, si vous avez des idées de défis pour With You for the Battle, hein, pour multijoueur avec vous, hein, avec vous jouer. Alors, pour, je sais pas si beaucoup de mes abonnés ont déjà Battlefield 4, ou si parce que c'est vrai que ça demande un PC assez gourmand quand même. On est d'accord. Enfin, assez gourmand, assez puissant, et que c'est assez gourmand d'un point de vue graphique. C'est chelou les éclairages là. c'est assez spécial. Ouais, c'est un certain style, hein, mais bon. On va mettre une petite grenade, là, je le sens bien. Histoire de replacer un petit quad... Un petit... Oh. Voilà. Bon, ça n'a pas fait de quad, ça en a tué un. C'est bon, 2, 3... Il doit en rester encore un, je crois. Oh, eux, ils font chier, par contre, avec leur grenade. Il est où, celui qui a envie? Parce qu'il y a ceux qui sont morts et qui sont couchés par terre. Oh, sa grenade, non. Ma combat. Voilà. Ça, c'est bon. C'est ça que c'est bon. Avancez dans l'usine, c'est parti. Alors, on va prendre une AK-12, voilà. Comme vous pouvez le voir en haut de votre écran, AK-12. Et donc là, bon, faut qu'on monte, atteignez le toit de l'usine, hein, comme vous voyez. Bah, pour se faire, comment dire, extraire du point, bah, de notre mission, tout simplement, pas du point. Se faire extraire d'extraction, oui, au point d'extraction, et rentrer chez nous. Mais bon, comme vous avez pu le voir, je pense, dans le trailer, il va se passer un petit truc, parce que c'est vrai que c'est sur cette première mission qu'il y a beaucoup d'images du trailer sont sorties. Il y a des scènes assez épiques. Vous allez voir un peu tout de suite. Moi, je sais ce qui se passe. Même si ça me fait toujours autant flipper. Mais bon, c'est pas grave. Oh oh, aérien hostile. Oh, j'ai deux armes. J'ai une. Oh là là. Oh, c'est quoi ça? C'est une AK-12. Et la première, c'est. Bah non. Normal, on se fait attaquer. Moi, je suis en train de dire. Oh, tiens, ça, c'est une AK-12. Ça, c'est un SCAR. Voilà. Alors, on va courir. Cache-toi. Go. Il faut qu'on monte. Oh, wow. Mais si c'est une AK-12. En fait, c'est deux AK-12, regardez. Sauf que celle-là, il y a un viseur hybride. Et un viseur... point rouge. Bon, on attend nos potes parce que... Ah bah oui, lui se met derrière les pylônes comme ça. Normal. Ouh.
Allez, caché, caché, caché. Par où on va, par où on va, par où on va. Oh là. Oh, ah, vite, vite, vite. Oh, un bidon d'essence. Oh non, pas d'essence, mais un bidon. Ah, oh, ils sont là, ils sont là, ils sont là, nos potes. On va foncer. Allez, 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 allez. Ils pensent pouvoir changer le script et arriver à monter dans l'hélicoptère. Eh ben non. Et là, ça me fait trop flipper. Franchement, on a juste l'impression qu'on va se faire couper comme du saucisson par les hélices de l'hélicoptère. C'est juste abusé. Oh, des méchants. Ah. Oh, oh, je t'ai touché. Vilain. Vilain méchant. Oh, je me prends un bloc de béton de 10 tonnes sur la tête. Et... Là, c'est magnifique, je trouve. La cinématique est quand même super classe. Waouh. Et... Donc là, nos potes sont morts. On est tout seul. On est dans la merde. Et là... Oh, bah j'ai plus de main. Ah non, si. Et je me prends un bloc de 10 tonnes sur la tête. Mais attention. Merveilleuse technologie. Nous sommes en vie. C'est magnifique. J'avais la tête sous ce gros truc. Ce qui est normal, hein, ce qui arrive tous les jours. Y a pas de survivants. Voilà, donc nous, bah, on est... Ouf, ça... Il y a tout qui a un peu changé, hein, le décor, etc. Et on a... Ça, Dunn qui a sa jambe. C'est dégueulasse. On va devoir lui... Plus la jambe. C'est horrible, c'est horrible. Et là, alors le monsieur qui doit travailler sur le chantier, qui vient comme si tout était tout à fait normal, dans sa petite voiture, avec son petit gyrophare orange. Oh, bah, je viens voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est n'importe quoi. On est d'accord, on ne sait pas pourquoi cet homme vient à ce moment-là, hein. Mais bon, la société Baku. Ah voilà. Ah non, ça c'est dégueulasse. Non, 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 pas mon couteau. Prends pas mon. Oh là là là. Oh, oh c'est dégueu. On voit pas grand-chose, mais même moi, l'idée d'amputer un membre, c'est juste tout bonnement horrible. Oh, je regarde pas. Ah non, 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 je regarde pas. Oh là là là. Oh là 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 là. Pardon. Il est mort. Oh. En plus il va en mettre partout sur les sièges. Moi je suis pas d'accord, il rentre pas dans la voiture, hein. Non non non, le mec il est que intéressé par ça. Par les sièges en cuir de la voiture. Oh oh, on est encore dans la merde. On s'en prend encore plus dans la gueule parce qu'on s'en est pas encore assez pris. Allez. Mais on pourrait lui proposer de conduire, sauf que avec une jambe en moins c'est un peu dur pour appuyer sur les pédales, hein. On est d'accord. Mais bon, du coup vu que j'ai ma licence de Mario Kart, je peux monter dans cette voiture. Ma licence Mario Kart va me permettre de nous emmener en sécurité, bien sûr. Et toujours un peu cette ambiance à la... comment... Ouais, en fait, si, je sais, voilà, ça me fait penser... Ça me fait penser à la mission dans Medal of Honor Warfighter, dans la bagnole. Enfin, la dynamique de la bagnole, etc. Tout ça, ça... On a vraiment l'impression, en fait, que c'est la même chose. Par contre, c'est pas très réaliste, on dirait que la voiture s'enfonce dans le sol. Je sais pas si vous voyez... En dessous des sous-titres. Regardez. C'est assez chelou quand même là. Oh. Ah, je vous ai dit, j'ai ma licence Mario Kart. C'est assez chelou les pneus sur la... Sur la route. La physique de la voiture, c'est assez bizarre. Bon. Allez, on s'accroche. Yeah, plus vite. Plus vite. Plus vite, je vais encore me manger un... Oh. 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 C'est quoi ça? Ah bah oui, c'est le méchant. Un tunnel. Oh, on est sain et sauf. Oh. Allez. Allez, 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 allez. Waouh. Et donc encore, là, une des scènes que vous allez voir dans le trailer. Enfin, juste après, la séquence qui va se passer après. Avec les puits de pétrole. Enfin, je sais pas ce que c'est comme... comme si c'est des puits de pétrole sur l'eau. Si, si, ouais, c'est des... Ouais, on en voit là. Et... Waouh. Waouh. Il s'aligne. Ah bon, tu penses? La voiture qui se téléporte, hein. Par contre, on est d'accord là-dessus. Et. Ouais. Allez, attention. Par contre, là, c'est trop chaud parce que le M320 il bouge trop. Oui. Oh, je l'ai touché. J'ai cru que la grenade allait partir ailleurs. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, enfin, quand j'ai enregistré la première fois que ça crash, enfin, la première cinématique en fait, enfin, le fichier était corrompu. Et voilà, et là, on arrive au début de la mission. Sous l'eau. Et là, on vient, en fait, c'est la scène après qu'on ait tiré
dans la vitre, comme vous pouvez le voir, hein, puisqu'on est. Ouais, donc là. Ah, donc là, ça parle de Shanghai. Et il va falloir qu'on expatrie quelqu'un, une personne importante à Shanghai. Ou, ouais, il me semble que c'est à Shanghai. Et. Donc on va devoir faire route vers la côte est de la Chine. Voilà, 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 voilà. On va faire route vers la côte est. Et la suite dans le prochain épisode. Rendez-vous sur Twitter, @myapplemc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et des petits commentaires dans cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Bye.